Star Academy, cette candidate que annonce comme grande gagnante. Après 3 semaines d'aventure, Paola faisait ses adieux au château de Damarie-les-Lys. Victime des destins liés avec Carla, elle avait dû laisser sa place dans l'aventure face aux puissantes voix de Sienna et Léa. Sauvée par le vote du public. Sur le prime, les deux candidates avaient interprété un tableau de Annie Marshall sur le titre Feu vert de Dua Lipa et Angèle. Provoquant la colère des internautes qui dénonçaient une forme de favoritisme. Pourtant, la prestation des deux candidates, qui a suscité quelques moqueries sur les réseaux sociaux, n'a pas réussi à convaincre les téléspectateurs, les conduisant ainsi à quitter leurs camarades. Fraîchement sortie, Paola s'est confiée à Combini sur les candidats qu'elle annonce comme potentiels gagnants de la Star Academy. Dont une en particulier qui semble se démarquer. Si elle semblait avoir les épaules d'une gagnante et avait notamment bluffé avec son interprétation poétique du titre « Laissez-moi danser » de Dalida. Paola a vu sa place à la Star Academy s'envoler. Suite à sa sortie, la candidate éliminée s'est exprimée sur son caractère franc et a notamment revenu sur ses regrets concernant ses relations avec les autres candidats. Dont ses accrochages réguliers avec Louis. Pourtant, la jeune chanteuse a aussi créé des liens avec les autres académiciens et voit aujourd'hui en chacun des amis, franchement on va rester amis. On s'est tous très bien entendus, on va rester en contact, confie-t-elle à Combini. Dont 4 en particulier, Carla, Amis, Stan et Chris, avec qui elle s'est fortement rapprochée au cours de l'aventure, ce sont les personnalités avec lesquelles j'accroche le plus, on a la même façon de vivre. Guillaumet. Aussi, Paola évoque son ami Chris parmi plusieurs potentiels gagnants, j'étais persuadée au départ que ce serait Anisha mais je dirais aujourd'hui que ça va se jouer entre elles. Enola, Chris, ou peut-être Julien. Dans cette la liste de candidats qu'elle voit briguer la victoire. Celle qui a chanté avec Julien Clerc évoque Enola comme grande gagnante de la saison. Enola a un potentiel de gagnante, déclare-t-elle. Un avis compréhensible puisque la jeune première de la classe n'a encore jamais été sur le banc des nommés. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.